On va donc ouvrir le conseil communautaire avec pouvoir pour commencer. Ça ne marche pas très bien ce son. On va faire comme ça. Alors, Dominique Bonin qui donne pouvoir à Pierre-Guy Perrier. Fabienne Parpaillon donne pouvoir à Yveline Thibault. François Edouin donne pouvoir à Daniel Gachet. Patrick Curteau donne pouvoir à Bernard Landel. Joseph Martin donne pouvoir à Catherine Poupée. David Pelletier donne pouvoir à Dominique Gauvreau. Johan Guilbeault donne pouvoir à Catherine D'Enfer et Marie-Agnès Mandin donne pouvoir à Maurice Milsan. Voilà. Ensuite, secrétaire de séance, je vous proposerai ou Catherine Poupée ou Maurice Milsan, parce que je sais qu'ils sont là tous les deux. Donc ce sera Catherine, merci. Le premier point, donc on va commencer. Le premier point, y a-t-il des observations suite à séance communautaire du 14 novembre 2019 ? Non ? Je vous remercie. Et puis ensuite, vous avez donc les décisions qui ont été prises dans ce laps de temps. Pas d'observation ? Non ? Je vous remercie. On va commencer, si vous permettez, on va juste décaler le point numéro 1. On va attendre James Gandriot, il arrive d'Orléans, il est sur la route et il devrait être là d'ici 15 minutes maximum. Donc, on va donc partir sur le point numéro 2 qui concerne la délégation de compétences pour la conclusion de conventions de coopération pour les interventions en milieu scolaire. Hein, puisque... les interventions, les IMS, donc, font partie des compétences statutaires. Et elles sont donc déployées donc, au niveau des écoles élémentaires, particulièrement en matière d'éducation physique et sportive. Donc l'engagement, il est sous deux formes, hein, soit un agent intercommunal qui intervient, soit sous une forme, une participation financière. Et pour celle-ci, pour ceci, ça nécessite donc la passation d'une convention que vous aviez, que vous avez explicité juste en dessous. Du coup, il vous est demandé d'approuver les conditions de coopération entre la communauté de communes et les communes membres dans les conditions qui sont définies juste ci-dessus, de me donner la compétence pour conclure les différentes conventions de coopération avec les communes dans le cadre des interventions en milieu scolaire pour l'activité sportive, dans le respect des modalités approuvées et pour tout avenant s'y rapportant, et d'autoriser la possibilité d'organiser des délégations de signature pour la conclusion des dites conventions. Y a-t-il des questions ? Non ? Quel Jean-Yves pourrait répondre éventuellement ? Non ? Dans ces cas-là, je me vois. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non. Je vous remercie. Et... bah écoute, voilà, je te passe très rapidement la parole pour le point suivant. Bien, merci, bonsoir à tous. Je vais vous demander d'abord de bien vouloir accepter mes excuses, parce que si jamais on démarre aussi tardivement, c'est de ma faute. J'avais des obligations professionnelles que je ne pouvais pas repousser, malheureusement. Et donc, c'est pour cela qu'on a eu cette heure tardive. Mais je veux au sourire des uns et des autres que vous me pardonnez largement, je vous en remercie. Donc, si vous voulez, on va passer à la première délibération, puis ensuite je vous proposerai une méthode de travail, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être présenter la totalité des budgets des uns après les autres, ça permet d'avoir une certaine cohérence, et on reviendra donc sur les votes budget par budget, donc après, si vous en êtes d'accord. Bien, merci. Donc, le premier point, donc, c'est le vote des autorisations de programme et des crédits de paiement, donc les APCP, je vous rappelle, hein, c'est tout simplement des programmes qui sont sur plusieurs années, donc on fait des prévisions sur chaque année sur ce qui va se passer, et de manière à pouvoir faire des engagements année par année, donc ça permet de suivre sur plusieurs années un programme bien déterminé. Chaque année, on refait un petit ajustement en fonction de l'avancée de ces différents projets. Et bien sûr, les financements de l'année prévue sont retrouvés dans les investissements du budget principal. Donc, vous avez la totalité donc, de ces APCP sur la deuxième feuille donc, de la délibération. J'espère que vous me faites grâce de ne pas vous les reprendre un par un.
Tout le monde est d'accord. Et vous avez peut-être par contre des questions à poser sur l'une ou l'autre de ces programmes, sur l'un ou l'autre de ces programmes. Non. Donc je vous propose à ce moment-là de le voter, de valider donc ces crédits paiement et ces autorisations de programme telles que vous les avez dans les tableaux. Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous en remercie. Donc si vous voulez bien, on va prendre l'annexe qui des présentations donc des budgets primitifs, hein, et on va le dérouler. Alors, pour être très clair, par rapport au débat d'orientation budgétaire que je vous ai présenté il y a quelques temps, eh bien, il y a très très peu de différences, il y a des mises en forme. Je m'arrêterai peut-être un petit peu plus sur le fonctionnement, hein, puisque il y a eu une étude un petit peu plus approfondie donc, qui a été faite, hein, sur le budget principal. Donc, on peut passer, si vous voulez bien, directement au budget principal, donc à la page 3, hein, de nos annexes, et vous avez donc une présentation globale, hein, des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement, hein, que l'on pourrait avoir donc sur ce budget primitif, si vous en étiez d'accord. Sur le 011, alors vous avez toujours entendu parler, hein, du 011-02-65, hein, l'éternelle litanie qui fait que si jamais on le maîtrise bien, derrière, ça nous permet d'avoir des excédents de fonctionnement qui font de l'autofinancement sur les investissements, et donc ces trois, la bonne gestion de ces trois comptes est la garantie d'avoir donc un budget qui est non seulement équilibré, Dieu merci, mais qui permet de dégager un certain nombre de manœuvres, hein, pour pouvoir faire nos investissements. Donc, bien sûr, le 011 en particulier, avec un montant d'un peu plus de 5 millions d'euros, attire notre attention et on y fait un contrôle, donc qui est un contrôle accru par rapport à ce qu'on voulait. Alors, on a demandé aux différents gestionnaires ce qu'il leur fallait pour pouvoir fonctionner. Et on était arrivé avec une augmentation qui est une augmentation très importante par rapport à 2018, puisqu'on était à plus 12,08. Donc là, on ne peut pas accepter ce genre de choses-là, parce que si au moins on commence à avoir des dérapages comme ça, on n'y arrivera pas. Donc on a repris point par point donc ce 0,11, et on a pu le ramener à 5 057 236. Alors, vous avez dans des différents tableaux, si vous voulez bien, il y a quatre pages. Alors, je sais qu'ils ne sont pas forcément très, très gros, mais on va les reprendre parce que, justement, pour voir dans ce 011, là où on a fait des choix, hein, de manière à pouvoir aller mieux. Au niveau des assurances, on a une augmentation. Alors, toujours par rapport à 2018, hein, on a une augmentation qui est relativement importante, peu par rapport à ce qu'on observerait dans le compte administratif de 2019, je dis vous observerez, parce que ce sont bien sûr des projections, mais des projections qui, à cette époque de l'année, sont quand même très réalistes par rapport à ce qu'on va avoir donc, d'ici fin décembre. Donc, on y inscrit donc 66 000. En termes de communication, donc on a supprimé un certain nombre de choses, hein, donc des flyers, des choses comme ça. Mais malgré tout, il y a des campagnes de communication qui sont importantes, par exemple sur le PCAP, sur des campagnes de marketing territorial, etc. On en est donc à 111 948 euros. En convivialité, on a remarqué que par rapport à ce qu'on avait inscrit, on en avait peu consommé. Donc du coup, on a réinscrit la moitié. Dans les fournitures administratives, bon là, on pense qu'on peut faire quelques économies, donc on a mis moins 2% par rapport à moins 1,88%, hein, par rapport donc à 2018. Ensuite, sur les finances, on va inscrire quelque chose d'inférieur, hein, par rapport à ce qui avait été inscrit avant, mais on va mettre dedans quand même une petite réserve de 30 000 euros, parce que si jamais on avait des études à faire, il faut quand même avoir donc la possibilité de pouvoir les engager, hein, sans revenir systématiquement devant le Conseil. Hein, donc ces 30 000 euros sont ici. En juridique, on a une grosse ligne, hein, 78 000 euros. C'est parce qu'on a des contentieux, enfin des dossiers contentieux en cours, avec certains donc
des employés de la communauté de communes. Et puis, malheureusement, on risque d'avoir d'autres affaires qui ressortent. On en avait parlé lors d'un conseil communautaire. Et du coup, on pense que les 78 000 euros seront largement suffisants d'ici le budget supplémentaire. Mais on verra au budget supplémentaire s'il y a d'autres besoins. J'en profite pour dire que, bien entendu, au moment du budget supplémentaire, on aura donc des reports qui vont être inscrits et qui vont permettre, bien sûr, de modifier cette première écriture du budget primitif. J'y reviendrai au moment de l'investissement. Après, si vous voulez bien, on passe donc sur le tableau suivant, parce que sur les autres, il n'y a pas grand-chose à dire. Dans le domaine de l'économie, on a une augmentation par rapport à 2018 assez importante, mais pour cause, c'est que 2018 n'avait pas été très très porteur dans ce domaine-là. On l'inscrit un petit peu en dessous de l'année précédente. Bon, il faut savoir qu'on a une étude sur les transformations des produits agricoles pour près de 25 000 euros que l'on a à faire. Et puis, il y a le Salon pour l'emploi qui est une nouvelle action par rapport à 2018 qui représente donc une certaine somme. Dans le domaine du tourisme, on a un montant donc qui est beaucoup plus important par rapport à 2018, à 4 000 euros de plus par rapport à 2019. C'est que tout simplement les choix qui ont été faits dans les investissements créent bien entendu des dépenses de fonctionnement. C'est toujours le problème quand on fait un investissement, bien prévoir et bien faire des projections sur les dépenses de fonctionnement qu'on a derrière. Dans le domaine de la stratégie, eh bien, tout simplement, on a un faible taux de réalisation par rapport à l'année 2019, sachant qu'en 2018, on n'avait pas cette ligne. Donc, sur le BS, on vous propose de réduire quasiment de moitié ce qu'on avait inscrit donc l'année dernière. Sur le troisième tableau, donc sur la direction des services et techniques et environnement, donc dans les bâtiments, on a réduit donc les achats de matériaux et de prestations extérieures, surtout de prestations extérieures d'ailleurs, parce que les matériaux, on va en avoir besoin parce qu'on va faire un certain nombre de travaux en régie. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Dans le domaine de l'environnement, on a un petit peu moins que l'année dernière, parce que déjà, on n'a pas de journée de l'écomobilité en 2020. Et puis, on a pour le projet Objectif Zéro Pesticide, on a réduit aux seules actions donc, de formation des agents communaux. Sur la fourrière, on a un nouveau marché donc, en cours. On était jusque-là maintenant à 1,08 par TTC, enfin euro TTC par habitant. Là, on est sur la base de 1,2 euro TTC par habitant. En informatique, bon là, il n'y a pas de demande excessive, donc les crédits demandés ont été maintenus. Sur le parc auto, d'abord il y a la hausse des prix des carburants, donc on ne les maîtrise pas vraiment, quoique peut-être qu'avec la pénurie de carburant, on en consommera moins, qui sait. Et puis on a eu des nouveaux véhicules, donc ce qui fait qu'on a fait une petite augmentation donc, par rapport aux années précédentes. Sur les voiries et les espaces verts, là on inscrit vraiment le strict minimum. Donc vous voyez, par rapport à l'année précédente, on est quasiment à deux fois moins, mais par rapport à 2018, on a repris donc le montant de 2018. Dans le domaine du ménage, c'est qu'il y a donc des marchés qui ont été engagés en 2019, et donc on a en particulier donc des nettoyages annuels de vitreries, etc. Et donc le montant est calculé au plus juste. Sur les ordures ménagères, on a fait une prévision à la baisse, parce qu'il y a en particulier les prestations de Veolia, donc de la tranche sur mer, qui ont baissé. Sur le quatrième tableau de la direction des services de la population et de la cohésion sociale, donc au niveau de la LSH, on a minoré un petit peu donc les denrées alimentaires, parce qu'ils sont passés sur un autre gestionnaire, qui est celui de la cuisine, et on aura donc d'ailleurs la même chose pour un autre chapitre dont je vais vous parler tout de suite. Donc la cuisine, donc la LSH et puis la petite enfance, donc qui est l'autre chapitre, ont été reportés donc sur ce
sur ce budget, donc vous le voyez en augmentation. Au niveau de la culture, alors si on regarde ce qui s'est passé en 2018, on avait vraiment quelque chose de minimaliste. Donc on s'est plutôt basé sur ce qu'on a réalisé donc en 2019 avec une légère minoration. Donc à l'école de musique, on a eu un faible taux de réalisation, donc bien sûr on a baissé, mais il faut tenir compte de l'intégration de l'école de musique de Mareuil-sur-Lay. Dans l'école des sports, on n'en a plus, puisque ça a été réintégré dans le gestionnaire intervention au milieu scolaire, qui est donc juste en dessous. Et comme il a été créé en cours de l'année et qu'il y a eu des APC, des clectes dessus, bien sûr, ce sont ces inscriptions qu'on retrouve ici. Sur la lecture publique, on a mis les mêmes crédits qu'en 2018, sachant que là, il y a une année donc, de la semaine du livre, bien entendu, qui coûte certainement. Et puis le contrat le CTN, le contrat territoire lecture. Sur le maintien à domicile, là, il y a une baisse, très forte baisse, mais elle a été restituée donc, aux collectivités. Donc on le retrouvera, bien sûr, en moins dans les clés, donc dans les compensations. Sur la petite enfance, on a les denrées alimentaires dont je vous ai parlé donc, tout à l'heure, donc on a une diminution. Sur la piscine de Luçon, on calcule au plus juste donc, les dépenses des fluides avec une certaine augmentation. On a une augmentation du nombre des entrées donc, qui fait que derrière, on a aussi une augmentation des besoins. Et sur les prestations donc, sociales, on a le contrat local de santé qui, cette année, va nous coûter 7 200 euros. Voilà, pour vous dire un petit peu de la manière dont on a fait un certain nombre de coupes par rapport à ce qui était demandé au service, ce qui nous permettra donc de tourner malgré tout d'une manière correcte pour... Pour notre communauté de communes. Si vous regardez l'annexe 1A, vous avez donc les détails donc des dépenses, en particulier du 011. Je vais m'arrêter à quelques lignes parce qu'elles pourraient donc vous interpeller. Si vous regardez la 60 631 sur les fournitures à entretien, vous avez une forte augmentation par rapport au budget 2019. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Comme on va faire beaucoup de travaux en régie, on va avoir une augmentation en fait de matériaux au départ. Vous avez donc sur les en particulier donc les honoraires. On a particulièrement là-dedans les services juridiques pour l'ADS. Et les besoins juridiques sont de plus en plus importants, d'où d'une ligne un peu importante. Sur les divers, on a une petite différence de 40 000 euros. Bon, on va être clair, c'est notre petite cagnotte qu'on a là, qu'on met, et sur laquelle on pourra éventuellement tirer, si jamais il y a quelque chose. Et puis il y a quand même dedans donc, la semaine du livre qui va venir impacter un petit peu cette petite cagnotte dont je vous parlais. Et puis sur les redevances aux services rendus, en fait, ce sont des histoires de ventilation d'un compte à l'autre. Donc là, vous ne retrouvez pas forcément les chiffres, mais en rapprochant les différents comptes, vous vous rendrez compte que nous sommes à peu près à la même, au même montant. Voilà sur le 011. Est-ce qu'il y a des questions sur ce 011 ou des remarques ou des suggestions ? Non ? Je passe au 012 ? Sur le 012, on a remarqué que par rapport à ce qu'on avait prévu l'année dernière, on va avoir certainement une dépense inférieure de 380 000 euros par rapport à ce qui avait été prévu. Donc sur une dépense de 10 millions, c'est pas une erreur de comptabilité, c'est tout simplement que les marges qu'on avait prises n'ont pas été utilisées. Quoi qu'il en soit, ça nous permet de nous dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que l'on a connu, au plus juste, on peut retirer dans les perspectives, c'est 380 000 euros. On fait un calcul que vous avez donc dans la page 10. Donc je vais y revenir. Donc vous avez les crédits qu'on avait mis l'année dernière, mais on retire donc 380 000 euros, donc ce qui fait 10 281 600.
Vous avez toutes les augmentations hein, qui sont dues au GVT, PPCR et JIPA pour 76 000 euros, les mesures catégorielles que l'on connaît tous dans nos communes pour 24 000 euros, et nous avons donc des impacts de recrutement pour 2019 qui sont donc de 267 750 euros. Les nouveaux services pour 159 500 euros, mais on va faire des économies dans les restructurations donc du 011 avec des départs non remplacés pour 111 000 euros et une enveloppe d'ajustement donc pour les maladies, etc., pour 90 000 euros. En fait, si vous voulez, si jamais on regarde bien, on a des besoins qui sont des besoins augmentés de 267 000 euros, mais on avait des 380 000 euros l'année dernière qui étaient en trop. Donc on arrive à couvrir donc l'un avec l'autre, ça fait même moins 113 000 euros. Et les nouveaux besoins du service, pour 159 000 euros, fait que en fait, cette différence ne sera au total que de 46 000 euros. Donc vous voyez, on a vraiment très très peu d'augmentation malgré les moyens nouveaux. Hein, donc, alors ça, c'est l'image propre d'un 012 qui est bien cerné. Hein, là maintenant, alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'efforts à faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une bonne maîtrise sur le 012 et que les efforts qui ont été engagés, donc, en particulier sur l'année dernière, doivent être continués. En particulier, chaque départ doit être définitif, doit demander à être regardé. Est-ce qu'on ne peut pas réorganiser? Est-ce qu'on doit reprendre quelqu'un de nouveau? Est-ce qu'on a des mutations internes qui permettraient donc de faire un petit peu d'économie tout en gardant donc, une qualité des services? Bien sûr, il faut anticiper chaque départ, là aussi, avec les mêmes techniques, et puis de mettre en œuvre l'effet Noria. Un jeune coûte moins cher qu'un vieux, je fais toujours sourire quand je dis ça, mais début de carrière coûte moins cher, bien sûr, que quelqu'un qui est en fin de carrière. Voilà donc, si vous voulez, sur le 012. Après, vous avez deux pages hein, qui montrent comment sont répartis avec les différents emplois avec donc le tableau des effectifs et puis le pourcentage donc des contractuels par rapport aux titulaires. Sur le 012 ? Non ? Donc très bien. Donc sur le 65. Alors sur le 65, donc vous voyez, il y a en fait c'est dû à quatre lignes, hein, indemnités élus, admission en non-valeur, les autres contributions et subventions donc de fonctionnement. Donc on vous propose pour le fonctionnement des associations hein, de faire des participations d'augmenter que de 0,5%. Hein, et d'inscrire pour le fonctionnement aux associations seulement 1 061 720 et pour la SPL rajouter 15 000 euros, hein, donc le monter à 765 000. Dans les charges exceptionnelles et les atténuations des produits, vous avez les max, hein, donc qui sont là pour 65 000 euros. Et puis vous avez les attributions de compensation ici hein, pour 8 258 673. Le FNGIR pour 55 700, et puis il y a un dégrèvement pour les jeunes agriculteurs de 963 euros. Vous avez en page 13 donc le détail des attributions de compensation donc qui vous permettent de vous y retrouver entre les différentes années, la différence étant bien sûr entre les deux années, étant bien sûr due au CLECT. Voilà sur les dépenses de fonctionnement. Avez-vous des remarques ou des interrogations ? Non ? Je continue. Entre les deux, je fais quand même une petite pause. Vous imaginez le travail colossal qui a lieu derrière ça. Et je voudrais en profiter pour remercier particulièrement les services. Bien sûr, la comptabilité qui est derrière, mais aussi la direction générale avec Béatrice. Vous voyez le temps qu'elles doivent passer pour arriver à cerner et à nous donner donc des résultats comme cela. Je dois vous avouer qu'on a une clarté extraordinaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions en bureau. Donc merci mesdames. Sur les recettes de fonctionnement, alors sur le 70, hein, donc on vous propose de faire, c'est-à-dire les services, le produit des services, on va prendre le même chiffre que l'année dernière,
hein, en espérant qu'on fasse plus, ni plus ni moins. Et il faudra penser quand même à l'harmonisation donc tarifaire, en faisant bien attention de ne pas trop amputer globalement hein, ce chapitre, qui est quand même de 2 250 000. Sur les impôts et taxes, alors, je pense que vous serez d'accord qu'on n'en demande pas les taux cette année. Non, surtout ceux qui se représentent. Hein, donc on va peut-être les laisser comme ça. Hein, et donc l'effet sera uniquement sur les bases. Alors on s'est dit que ce serait plus 1,5%. Mais attention, les bases d'imposition ne sont plus réévaluées, vous savez, l'inflation, mais par un amendement de l'Assemblée nationale. Hein, pour l'instant, les valeurs donc locatives de la taxe d'habitation sur la résidence principale sont révisées de 0,9%. Donc, bien sûr, il faudra attendre hein, d'avoir donc le chiffre. Hein, là, du coup, c'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses. Vous avez ensuite deux tableaux qui sont assez intéressants, puisque ça vous donne donc les bases prévisionnelles réelles. Hein, en fonction donc des communes. Et puis, vous avez un deuxième tableau qui détaille, quant à lui, les bases prévisionnelles de mise en œuvre du foncier bâti par type de local. Hein. Donc, c'est assez intéressant, mais vous voyez qu'il y a des chiffres qui font un peu froid dans le dos, quelquefois. La taxe GEMAPI, qu'est-ce que j'en dirais sans froisser notre ami Jam, qui est arrivé parmi nous et à qui je dis bonsoir, c'est que la taxe GEMAPI, vous savez, on a la compétence GEMAPI, mais on l'a transférée, cette compétence, auprès donc, des différents syndicats, que les syndicats de bassin, donc, eux, ont donné un montant de travaux donc, qu'il y a à faire, et donc ce montant, eh bien, on le valide. Et derrière, on donne ce montant aux services de l'État qui vont appliquer donc les taux. C'est eux qui font donc les calculs. Donc nous sommes qu'une boîte aux lettres hein, sur cette taxe. Et c'est bien sûr les maires qui se font engueuler derrière parce qu'il y a une augmentation donc des taxes en bas à droite. Mais ça, nous n'y sommes pour rien. Sur les dotations, les subventions et participations, alors nous avons une perte de DGF hein, cette année qui va être estimée à 88 853 euros, soit 3,57 euros. Alors, vous avez un petit tableau hein, qui vous montre un petit peu quelles sont les pertes donc, des dotations depuis en particulier 2017. Et donc, quand vous regardez ce qu'on touchait en 2017 et ce qu'on touche aujourd'hui, la différence est de 207 000 euros, 664 euros. Alors ça, ce n'est pas une dépense ponctuelle. Hein, on les perd tous les ans. Hein, donc, c'est quand même pas rien. Hein. Donc, sur les autres produits de gestion courante, hein, sur les produits exceptionnels, on les a maintenus au niveau de 2019. Je rappelle quand même qu'il y a un impact financier sur le plan locatif, puisqu'il y a la réduction de loyer solidarité qui, cette année, va coûter à la communauté de communes 34 024 euros. Voilà, sur les recettes de fonctionnement, avez-vous des remarques, des questions ? Non ? Non ? On passe à un investissement. Donc, je vous rappelle les règles d'investissement qu'on s'était données. On rembourse chaque année à peu près 1,6 million, même exactement 1,6 million donc de capital. Donc, pour ne pas endetter donc, la communauté de communes, il ne faut pas dépasser 1,6 million donc, d'emprunt. Sinon, on va au-delà. Et donc, il faut ajuster nos dépenses par rapport à ces paramètres. Alors, les paramètres, on les connaît. On a des subventions donc, d'équipement qui sont possibles. On a le FCV TVA qu'on connaît. On a la CAFNET hein, estimée donc, qu'on peut avoir. Donc l'autofinancement, c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur le fonctionnement pour donner une bonne CAFNET. Et puis, un emprunt éventuel. Et si jamais vraiment on n'y arrive pas, on peut aller piocher dans les excédents. Attention, les excédents, ils ne sont pas... Voilà, il y a un moment où... Bon. Alors, sur le budget primitif, on va être clair.
Je l'ai déjà dit, on n'a pas les reports donc, qu'on a sur le compte administratif. Donc ce sera le budget supplémentaire pour ceux qui seront encore là au moment où il sera voté, c'est-à-dire aux alentours du mois de juin. Et sur ce budget supplémentaire, on pourra faire bouger donc, un certain nombre de lignes telles qu'elles sont ici. Mais comme je ne serai plus là, je ne peux que vous inciter à une très très grande prudence hein, par rapport particulier hein, de puiser donc, dans les excédents et de faire le travail qui a été fait donc, jusqu'à maintenant sur les investissements, ce dont je vais vous parler. Les APCP, ben, vous venez de les voter, donc je ne vais pas revenir dessus. Sur les fonds de concours, donc les principales dépenses d'investissement, hein, vous commencez en page 21, sur les fonds de concours, on a pour l'instant alors, des fonds de concours qui sont dus pour un montant de 336 204,08 €, mais on va inscrire que 236 204,08 €, parce qu'il y a une ligne de 100 000 € qui doit être versée sur notre budget 2019, donc avant la fin de l'année. Dans le tableau, vous pouvez très facilement repérer donc, cette ligne. Sur les différentes directions, donc là, je ne le reprends pas par contre, on le reprend par direction, ce qui est beaucoup plus facile. En communication, donc, on a 42 840 €. Donc, vous avez un outil de revue de presse, des oriflammes et des enseignes, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la signalisation du patrimoine, et puis une action de communication sur le PCAET, je vous en ai parlé donc tout à l'heure. Sur la stratégie donc, du territoire, on est à 1 233 418. Il y a la requalification de la zone de Sébastopol pour un peu plus de 442 000, l'aménagement donc, de la rue du Pont-Neuf à l'île d'Elle pour 504 000, et puis la refonte de la signalétique des zones d'activité économique pour 20 000. Et puis au niveau des aides aux entreprises, il est proposé d'inscrire dans 225 526 € à une somme de 38 977 pour les max, pour les derniers dossiers max. En tourisme, 909 695 €. Alors, il y a les itinéraires pédestres pour 60 000 € et les itinéraires... Oui, non, j'ai cru que quelqu'un m'a posé une question, pardon. Et les itinéraires cyclables pour 754 695 €. Et puis, vous avez des continuités donc des APCP donc, qui ont été votées. Je vous en ai déjà parlé. Sur l'identité territoriale, on a 95 000 €. On a les soldes des opérations donc, qui ont été prévus. Sur l'aménagement du territoire, 1 197 396,56 €, spécifiquement. Mais là-dedans, vous avez pratiquement que la fibre, hein, donc le SDAN 1 et le SDAN 2. Donc ça, on connaît très, très exactement hein, quelles ont été les dépenses. Vous avez une petite coquille. Alors peut-être pas sur la dernière. Sur la dernière, elle a été corrigée, pardon, parce qu'on avait mis 2019 au lieu de 2020. Donc elle a été corrigée. Hein. Sur l'habitat énergie, on a 114 500 €, avec le PLH pour 100 000 €, et puis le programme Habiter mieux pour 14 500 €. Concernant les services techniques à l'environnement, les déchets ménagers, on a 884 200 € avec le collecte à porte-à-porte pour 559 500 €. Donc là, on a l'acquisition de véhicules à faire, et puis l'acquisition donc, aussi de renouvellement de stock, donc des bacs d'ordures ménagères. Les travaux dans les déchetteries, donc il y a deux déchetteries, la Manille Régnier et la Faute-sur-Mer, sur lesquelles on a à faire des travaux. Et on a mis à part les travaux de la tranche sur mer pour 50 000 € à la PCP. Alors, un petit focus sur cette déchetterie. En fait, il y avait une première approche qui avait été faite pour un montant que je n'ai plus en tête, qui était de l'ordre de 600 000, si je me souviens bien, de 600 000 €. Et puis, il s'avérait que, finalement, du fait des nouvelles normes, du fait d'un certain nombre de demandes, la deuxième approche serait plus proche d'un million. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'inscrire une somme comme ça, sans jamais être sûr, parce qu'on occulterait donc toutes les autres possibilités, surtout avoir un budget supplémentaire de quoi que ce soit. Donc on a inscrit 50 000 €. C'est surtout pour pouvoir affiner donc, les études et savoir plus exactement combien donc, cette déchetterie pourrait coûter.
On a des points d'aveugle volontaire pour 137 500 euros. Le plan déchets donc, pour la tarification incitative pour un montant de 120 000 euros pour l'étude qui doit être faite. Du côté du développement durable et de l'énergie, donc 62 300 euros, ça c'est le PCAET. Hein, alors sachant que, ben, on a des aides quand même en face hein, que l'on peut avoir. Sur les bâtiments, on a 908 606 euros. Je ne vais pas vous détailler, hein, on en a parlé au moment hein, du DOB, donc le détail que vous avez en dessous. Sur les voiries et espaces verts, on a 195 000 euros qui est inscrit donc, au titre des travaux de voirie hein, pour 2020 et une enveloppe de 838 860 euros pour une tondeuse autoportée et une remorque hein, et puis du petit matériel que l'on doit acquérir. Dans le matériel d'hiver, on a 17 100 euros. C'est du matériel pour l'atelier métallique et du matériel de mécanique pardon, et du matériel donc, de nettoyage. Sur l'informatique et les systèmes d'information et de télécommunication, vous avez 112 620 euros avec le détail donc, qui est en dessous. Sur les aménagements extérieurs d'hiver, vous avez 121 000 avec la revalorisation du site de Pouilfeu. Hein, alors vous avez une NCR hein, en face. Et puis l'aménagement, l'étude pour l'aménagement des aires de grands rassemblements à hauteur de 10 000 euros. Je ne m'engagerai pas sur la commune sur laquelle elle va se trouver. Sur les services médias à la population et la cohésion sociale, vous avez la médiathèque donc, de Mareuil-sur-Lay hein, qu'on a voté, donc la poursuite du projet de l'ancienne communauté de communes pour 1 410 000. Et puis vous avez donc un petit divers de 149 608 euros qui sont répartis entre différents gestionnaires, hein, l'école de musique, les LHS, les LSH, l'espace culturel, la petite enfance, les piscines, la médiathèque et la cuisine centrale. Et puis, il y a 35 000 euros qui seront inscrits pour la faisabilité relative au pôle d'attractivité culturelle. Voilà, sur l'investissement du budget primitif, est-ce que vous avez des interventions, des interrogations, des suggestions ? Comme quoi le rapport a été très clair, messieurs, mesdames, ça m'évite des questions. On va passer donc, si vous voulez bien, maintenant au budget annexe. Alors, on va avoir donc le premier budget annexe, hein, c'est le SPANC. Donc en recette, vous avez bien sûr hein, les redevances qui sont inscrites. Alors, il faudra regarder ce budget avec beaucoup d'attention parce que il est probable qu'on perde le bénéfice de subventions dans les années à venir hein, de l'Agence de l'eau. Et donc là, il faudra bien équilibrer d'une manière ou d'une autre. Hein, et cet équilibre, eh bien, il n'y aura peut-être pas 36 manières de le faire, enfin, malheureusement. Mais bon, pour l'année en cours, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'on a connu donc, les autres années. Et donc, je vous proposerai de l'adopter tel que vous l'avez en annexe 3. Sur le budget annexe des ordures ménagères, alors, toujours la même chose, hein, on n'a pas vraiment le coût de l'ensemble hein, des ordures ménagères, puisque vous avez l'AREOM d'un côté et l'ATEOM des autres, l'AREOM devant être sur ce budget annexe, l'ATEOM sur le budget principal. Donc, là, vous avez une recette hein, qui est évaluée donc, dans l'année par rapport, bien sûr, à ce que l'on a connu donc, sur les années précédentes. En fait, c'est une reconduction par rapport aux observations donc, des années précédentes. Sur les ateliers, ateliers relais et pépinières, donc là, je vous rappelle que c'était deux budgets distincts hein, qui ont fonctionné. En 2020, on espère la construction donc, d'une pépinière d'entreprise donc pour un montant de 450 000 euros hors taxe, qu'il faudra faire, d'ailleurs, je pense, alors, ça ou un autre, hein, parce qu'il y a des discussions qui se font entre des ateliers relais et une pépinière d'entreprise, mais si jamais on n'engage pas cette ligne, il y aura une subvention à l'ancien NCR pour 192 000 euros qui serait perdue définitivement. Donc comme il y a des besoins et des demandes,
hein, dans ces domaines, ce serait bête de ne pas les, de ne pas les engager. Vous avez dans le tableau donc, de la page 29 toutes les recettes hein, qui sont reçues donc, en loyer, avec des petites différences par rapport à l'année précédente, parce que ben, vous avez certaines entreprises qui sont parties, ou bien alors certains bâtiments qui ont été vendus. Donc il y a un certain nombre d'ajustements. Sur le budget Vendéopole, la STEP du Vendéopole, vous avez tout simplement des différences qui sont dues au fait qu'on a une nouvelle délégation de services publics qui est la sort depuis le 1er janvier, donc 2019. Hein, donc les observations qui ont été faites sur 2019 nous permettent de faire un ajustement sur ce budget. Sur les budgets donc, des zones économiques, alors là, il s'agit de 11 budgets hein, qui ont été fusionnés en deux budgets. Donc, vous vous souvenez, on avait fait cette manœuvre donc, l'année dernière. Et alors, on est aussi sur des comptabilités de stock, donc ce qui est un petit peu plus compliqué en lisibilité, puisque c'est une image à intenter, hein, et qui n'est pas forcément hein, la projection finale donc, de ces budgets. Sur la zone d'activité économique, hein, le budget annexe zone d'activité économique, il y a eu des cessions de, parcelles. Hein, donc vous avez la liste pour 73 825. Et il est prévu d'acquérir la ferme à l'Étru et du Son pour un montant estimé de 100 000 euros hors taxe. Un petit mot sur cette acquisition. Ce sont, alors c'était des hangars hein, qui est en plein milieu d'une zone économique avec une ferme à côté. Hein, qui n'était plus du tout en exploitation. Bon. On a découvert que finalement ces hangars avaient été transformés sans permis de construire en habitation. Ce qui bon, est un petit peu gênant, mais quoi qu'il en soit, vous imaginez ce qu'on peut avoir. Alors, il n'y a personne dedans hein, pour l'instant, mais vous imaginez si jamais on laissait des habitations se mettre à ce niveau-là avec les entreprises à côté. On est sûr du coup, à un moment ou à un autre, on aurait eu des plaintes et des recours de la part des riverains. Or, on a des demandes sur cette zone. Hein, et ces terrains peuvent être libérés en visibilité de manière à être intéressants du point de vue économique. Donc, la ville de Luçon a préempté, puisque c'est la ville de Luçon qui a la préemption, et du coup, on a vu avec le notaire pour que dans le même acte, la ville de Luçon préempte et que ce soit rétrocédé donc, à la communauté de communes. Voilà. Donc, quelque chose qui va avoir lieu très rapidement, puisque je crois qu'on a un rendez-vous d'ici la fin de l'année, il me semble. On m'a parlé du 30 décembre. Donc, voilà. On verra. On verra. Donc, vous avez donc une enveloppe de 507 560 euros qui est prévue aussi pour donc différents travaux hein, dont vous avez la liste. Sur le budget annexe Vendéopole, on a la cession de parcelles, hein, donc vous en avez une pour 6 146 euros, et le reste étant identique à l'année d'avant. Nous avons ensuite tout un chapitre sur l'état de la dette et de la communauté de communes. Alors, on a toujours nos sacrés emprunts in fine, hein, pour 9 876 000. Bon, il y en a trois qui ont été renégociés donc pour une durée de 3 ans, hein, pour un montant de en 2018, ça, hein, donc ça ira jusqu'en 2021, pour un montant de 5 030 000. Et puis vous avez d'autres emprunts qui ont été renégociés donc pour le solde. Je vous rappelle que les banques ont accepté de reconduire un emprunt in fine, mais que nous ont bien dit que c'était la dernière fois. Et donc, il y a un moment où il faudra passer hein, sur des emprunts de type classique. Hein, et il faudra bien rembourser donc, les capitaux. Hein. Bon, ceci dit, je me fais aussi l'écho de nos amis de l'ancienne communauté commune de Saint-Hermine. Deux choses, c'est que d'abord, ça a permis un nombre d'emplois quand même relativement important, et qu'au moment où ces emprunts in fine ont été faits, l'État lui-même poussait à faire des emprunts in fine, puisqu'on avait des demandes qui étaient des demandes relativement importantes, et il disait, vous n'avez pas payé du capital, alors que finalement, le temps des emprunts in fine, vous aurez vendu les terrains, et ça vous permettra de rendre le capital. Bon,
2007 est passé par là, avec un arrêt, et c'est vrai, des terrains, des opportunités de terrain qui avaient été très subventionnées, qui ont fait qu'il y a eu des montants assez importants, donc qui ont été engagés. Quoi qu'il en soit, la situation est là aujourd'hui, en espérant que le redémarrage de l'économie permettra d'atténuer donc, les besoins donc, en capitaux au bout du compte. On a donc un emprunt de 1 400 000 donc, qui a été fait donc, pour le ZAD, hein, c'est-à-dire pour la fibre. Et puis donc vous avez le détail des emprunts donc, qui ont été faits cette année. On a toujours la ligne de trésorerie. Hein, et je vous rappelle qu'en 2020, on a 1 600 000 possibles à emprunter pour être dans l'équilibre de ce que l'on avait dit depuis le départ. Il a été fait donc une étude par un cabinet qui s'appelle le cabinet Orfeor, hein, qui regarde la manière dont on peut rediscuter donc, nos emprunts. Bon, cette étude montre que très souvent, alors on sort les emprunts à court terme, hein, ceux qui vont être terminés remboursés donc très rapidement ou qui ont des taux donc qui sont déjà relativement bas, donc pour lesquels il n'y a pas de rediscussion. Donc on se rend compte que malgré tout, il y a une petite économie à faire de 380 000 euros. Quand je dis petite économie de 380 000 euros, c'est que c'est en une fois, donc réparti sur l'ensemble des années. Mais malgré tout, il ne faut pas bouder donc, sur ces petites économies. Et donc on va regarder de très près donc, comment pouvoir les réaliser. Vous avez derrière donc, l'étude qui a été faite donc, des différents emprunts. Donc, vous voyez que vous avez donc les emprunts en cours, donc avec les projections donc année par année, sachant que en 2049, ce sera la dernière année si jamais on ne fait pas de nouveaux emprunts. Hein, voilà. Donc ça, c'est toujours des images, hein, bien entendu. Ce qui est important, c'est de voir que ils sont tous dans le niveau 1A de la charte de Gisler. Hein, qu'on a un équilibre qui est relativement bon entre les taux fixes et les taux indexés, hein, et donc qui permet d'avoir une perspective sur l'évolution de ces taux qui est positive. Voilà, mes amis, j'en ai terminé avec la présentation de ces budgets primitifs. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Oui, Loïc ? Juste une question sur le tableau d'amortissement. Pourquoi en 2040, on arrive à presque 2 millions d'euros ? Alors, attends. Page 33. En 2040 ? En 2040 ? Ouais. Oui, mais c'est normal. Pourquoi on passe de 508 à 1 million 2 ? C'est ça ta question ? Ouais. Non, pas 1 million 2. En encours, en annuité. On a 1 196 000 euros. Oui. Oui. En amortissement. Ouais. Donc en remboursement de capital. Ouais. On passe de 508 à 1 200 000. Ouais, voilà. Oui, alors ça je pense que ce sont les amortissements de fin de fin d'emprunt. Si tu veux, où tu as des emprunts qui sont à taux fixe, enfin remboursement à taux fixe, hein, avec des annuités différentes en fonction, en particulier sur les taux, enfin sur les taux qui sont à taux variable. Et je pense que c'est le solde qu'on retrouve ici. Hein. Voilà. Donc c'est un emprunt, oui, un peu comme un emprunt in fine. Voilà. C'est pas les meilleurs. Oui, ce serait une année difficile. Dans 4 mandats. Hein ? Dans 4 mandats. Oui. Je viendrai écouter, je ne lâcherai pas là. Voir comment on se fait assaisonner. Voilà, ok ? Ok là-dessus ? D'autres questions ou demandes ? Non ? Donc,
Comme je vous le proposais, on va passer donc les différents votes les uns après les autres. Donc, sur le budget primitif, donc 2020, pour les autos, pardon, excusez-moi, sur le B700, donc budget, le budget donc général, y a-t-il donc des contre, des abstentions? Donc, à l'unanimité, merci. Sur le 701, donc budget assainissement non collectif, donc sur le SPANC, y a-t-il des contre, des abstentions? Unanimité, merci. Sur le 702, donc budget des déchets ménagers, y a-t-il des contre, des abstentions? Donc unanimité. Sur le 703, budget atelier relais et pépinières d'entreprise, donc y a-t-il des contre ou des abstentions? Unanimité, merci. Sur le B705, sur le zone d'activité économique, y a-t-il des contre ou des abstentions? Donc unanimité, merci. Sur le budget primitif donc 2020, B707, c'est le lotissement Vendéopole, y a-t-il des contre ou des abstentions? Donc non, merci. Pardon? Deux abstentions? Ok. Donc sur le lotissement Vendéopole, hein? Ok. Sur sur le 708, excusez-moi, donc station d'épuration, donc Vendéopole, y a-t-il des contre ou des abstentions? Non, donc la décision. Bon, ben, merci. Donc en dehors de deux abstentions, donc sur le Vendéopole, tous sont pris à l'unanimité. Ce sera les derniers budgets que je présenterai. Et ce résultat me fait chaud au cœur. Je vous en remercie. Hein, même si jamais je sais que c'est sur la qualité des budgets, et non pas sur ma présentation, que ces votes ont été faits. On va venir, donc, si vous le voulez bien. Non, tac, continue. Tu veux passer, Jeanne, d'abord ou, On finit peut-être. On finit les finances, à mon avis, ça va être plus simple. D'accord. OK. Donc, on va venir à la DM. DM5. À la DM5. Donc, si vous voulez, donc, ce qui est la 11e délibération, hein, en fait, vous avez une mise à jour, hein, du projet logiciel qui a été fait en juillet 2019, et il est apparu que les cotisations patronales qui étaient dans le chapitre 012 devaient être faites sur le 65. Donc, vous avez quelques écritures donc, qui ont été faites, hein, pour des montants donc, de 42 500 et de 16 000 euros, 18 500 et 40 000 euros, qui en fait s'annulent. En fait, ce sont des réaffectations, hein, en fonction donc, de cette observation. Par ailleurs, on a une inscription donc, de crédit complémentaire donc, pour la GEMAPI, hein, de 6 100 euros, et puis le dégrèvement donc, pour les jeunes agriculteurs donc, de 200 euros, hein, qui est un peu plus important donc, que prévu. Et pour donc, l'équilibrer, on va chercher donc, sur les dépenses imprévues, donc la petite cagnotte habituelle. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette... Non ? Y a-t-il des contre, des abstentions? Merci, donc à l'unanimité. Sur les zones d'activité économique, on a la DM2. Alors ça, c'est une petite écriture. Hein. C'est des intérêts des emprunts, donc on avait besoin de 100 euros. Hein, et sur les frais accessoires, donc 100 euros. On va venir les tirer donc, sur les terrains aménagés où on a 100 euros qu'on peut venir, et sur les transferts de charges foncières sur lesquels on avait 100 euros que l'on pouvait inscrire. Donc, qui équilibre cette écriture. Des remarques ou des questions? Non. Des contre? Des abstentions? Donc, merci à l'unanimité. Sur le budget annexe lotissement Vendéopole, on a une DM2. Alors, celle-là est un petit peu plus complexe. En fait, vous avez des ajustements donc de crédit pour des variations de stock. Alors, on est dans une comptabilité de stock, donc bien entendu, quand les stocks vont varier, on va déséquilibrer.
Hein. Donc vous avez en particulier donc, les intérêts des emprunts et les variations de stock pour un montant de 70 300 euros et 18 112 euros que vous retrouvez donc, en équilibre donc, sur la variation des stocks pour 88 412 euros. Vous avez une inscription de crédit complémentaire donc, des 18 112 que vous retrouvez donc, sur les transferts donc, des charges financières. Et vous me retrouvez donc ces montants hein, sur les investissements, donc les transferts, où vous avez les 88 412 euros donc, de variation de stock qui viennent sur les terrains aménagés, et donc en face, les deux premières lignes que vous retrouvez donc, sur les terrains aménagés et les emprunts. Donc, bien sûr, c'est une recette d'investissement puisque c'est une dépense de fonctionnement. Avez-vous des questions ou des remarques ? Non. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Deux abstentions ? Donc, je vous remercie. Après, on a les pertes sur créanciers recouvrables. Hein, alors, on en a d'abord donc, sur le budget principal. Hein, et donc, on en a alors... on en a pour un montant donc, de 6 175 euros. Donc, je vous rappelle, ce sont les choses où la trésorière n'a pas pu faire aboutir donc, les choses. Et quand on est arrivé au bout du bout, elle nous demande tout simplement donc, de faire une croix dessus. Donc là, il y en a pour 6 175,78 euros. Donc je vous propose de mettre cette somme en admission en non-valeur. Des remarques ou des questions ? Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Donc à l'unanimité. Donc merci. Ensuite, même chose, mais cette fois-ci pour le SPANC. Alors là, il y en a pour 1142 euros. Avez-vous des questions ou des remarques ? Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Donc unanimité. Ensuite, sur les déchets ménagers, alors c'est plus important, hein, puisqu'on en est pour un montant de 15 796,03 €. Donc là aussi, hein, on arrive au bout du bout. Donc je vous propose de régulariser les écritures en les acceptant en non-valeur. Des remarques ou des questions ? Des contre ? Des abstentions ? Donc je vous en remercie à l'unanimité. Et puis, il y a le rapport donc, de la CLECT. Hein. C'est uniquement une information, puisque donc, je vous rappelle que le 19 septembre dernier, on a adopté donc, le rapport au titre de l'année 2019. Ça, pour la lutte contre les chenilles professionnelles du pain et pour le soutien et participation à l'action culturelle et sportive éducative en milieu scolaire. Hein, et donc... je vous demande tout simplement de prendre acte hein, du rapport de la commission locale hein, que vous avez eu. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte ? Je veux bien vous le relire si vous voulez. Mais... Non. D'accord, ben merci. Et puis la dernière, c'est une demande de subvention hein, pour le contrat vendé dans notre territoire. Donc, vous avez, on va réaliser donc des travaux de réaménagement au second étage de la communauté de communes. Donc, on a possibilité donc de demander des subventions à Congrès Vendée Territoire. Donc, pour un montant de 115 000, vous avez donc le plan de financement de l'opération. Vous voyez, il y en a pour 230 000 et on peut donc demander 50 %, donc 115 000 euros. Hein, et donc, il vous est proposé de solliciter cette aide financière et d'autoriser donc la présidente à signer donc tous les documents liés à cette demande de subvention. Avez-vous des questions, des remarques ? Bien, y en a-t-il qui sont contre le fait de demander 115 000 euros ? Non ? Il y en a qui s'abstiennent ? Non, bien tout le monde est d'accord pour demander ces 115 000 euros, Madame la Présidente. Ce sera à nous de jouer. Merci beaucoup, Pierre-Guy, pour ces présentations, pour tout ce volet finances important. Merci pour ce vote du budget. Et en effet, je rejoins les propos de Pierre-Guy pour féliciter les services qui nous font un travail très, très pointu pour les préparations de tous ces budgets. Et je passe la parole
On revient au point numéro 1. Je passe la parole donc à Jam concernant le Cinerval. Vas-y, Jam. Bonsoir à tous. Donc, ça a mieux, j'ai retrouvé ma voix. C'est une bonne chose, hein, que je l'avais perdue. C'est, on s'est en élection, on perd sa voix, c'est un peu embêtant. Donc, je suis désolé d'être arrivé un peu en retard, mais c'était difficile. Donc là, le point numéro 1, c'était la demande d'adhésion du syndicat mixte Cinerval au syndicat mixte Bassin du Lait. Je ne vais pas refaire toute la cartographie que vous connaissez par cœur, désormais. Hein. Hein, sur notre territoire, donc tout ce qui concerne la GEMA, la gestion des milieux aquatiques et tout ce qui concerne la prévention des inondations, dont la submersion marine, qui est un point très important pour la commune. Grosso modo, à peu près 40 millions d'euros de travaux sur les deux grands syndicats qui existent au sud, le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Outis et le syndicat mixte Bassin du Lait, présidé par Joël. Et au nord, il y avait donc le Cinerval, qui est un syndicat de rivière qui s'occupe plutôt de la gestion des milieux aquatiques, avec des montants beaucoup, beaucoup plus faibles. Il y a eu un processus commencé en 2016, porté par la commission locale de l'eau, dans le SAGE du Lait, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du lait, pour une étude concernant l'organisation de la maîtrise d'ouvrage à l'échelle du bassin versant du lait, puis de regroupement des différentes porteurs de ce qu'on appelait pas encore la GEMAPI, puisqu'il y avait donc des communes qui portaient donc des actions, des associations syndicales autorisées de marais dans la vallée du lait, et puis donc différentes structures. Donc il y a eu un vrai regroupement, et on a commencé par plutôt transférer donc l'ensemble des digues des communes à la commune de communes, qui elle-même les a transférées donc en même temps que la compétence GEMAPI au syndicat mixte, qui s'appelait donc le syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait. Un syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait, c'est un peu plus long. Et donc on a lancé le processus alors, c'est pas une fusion, c'est une adhésion d'un syndicat à l'autre. C'est la préfecture qui nous a conseillé ce schéma d'adhésion. C'est un mariage, quoi. Voilà. Donc on n'est pas axé, quoi. Donc le président, c'était moi du Cinerval, et puis Joël, c'est donc on s'est pas axé. On a jusqu'au niveau du syndicat. On a fait tout un groupe de travail pour essayer de mettre en commun les statuts. Vous l'avez déjà vu, puisqu'on vous l'a présenté en deux conseils communautaires différents. Ces statuts qui sont quand été validés par le conseil communautaire sur une dernière réunion. Et puis donc on a décidé de demander, le Cinerval a demandé l'adhésion donc au syndicat mixte Marais Poitevin Bassin du Lait, qui lui donc a des nouveaux statuts, qui a changé de nom, qui s'appelle désormais le syndicat mixte Bassin du Lait. Il a perdu le Marais Poitevin, on l'a laissé au parc, mais c'est parce que quand les herbiers viennent, ils connaissent moins le Marais Poitevin que nous, comme les communes. Voilà, alors l'adhésion d'un syndicat à l'autre est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier. Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution. Donc en clair, Cinerval sera dissous à l'adhésion qui doit être prononcée après l'avis des communes et l'avis du syndicat qui a donné un avis favorable. Le Cinerval a redonné un avis favorable pour valider les statuts qui sont présentés par le nouveau syndicat, évidemment avec la gouvernance et les participations, dont je ne suis pas le facteur de transporter 1,3 million, monsieur Pierre-Guy. Mais donc, une boîte à lettres d'1,3 million mètres cubes, c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, donc en clair, on se trouve à 82 communes, désormais, au 1er janvier. Communes Vendée Grand Littoral, pour 14 communes, Sud-Vendée Littoral pour 34, puisque les autres sont sur Vendée-Sèvres-Outis. Le Pays de Chantonnay pour 10 communes, Pays de Fontenay pour 7 communes, Pays des Herbiers pour 6 communes, Pays de Pouzauges pour 9 communes, Pays de Saint-Fulgent-les-Essarts pour 2, dont une grande, puisqu'il y en a une qui est les Essarts en bocage. Voilà, donc pour l'instant, c'est 7 communes qui se regroupent dans un premier temps. Donc on vous demande votre avis, si vous acceptez cette adhésion. Et dans un second temps, parce que comme la préfecture nous aide énormément pour aller vite, ça s'appelle un peu de l'ironie, mais c'est clair, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même procédure pour l'adhésion de la Chétinerec,
pays d'Achetterra, qui souhaitait adhérer, et donc qui va adhérer, mais qui vous sera présenté en janvier. Voilà, donc tous les mois, on aura une délibération, et on va redésigner aussi des nouveaux délégués hein, qu'on est en train de préparer. Voilà. Hein, donc, moi, je vais laisser la présidente pour vous faire voter, puis je réponds à vos questions. Il n'y a pas grand-chose d'autre, hein, sauf que je souhaiterais que vous acceptiez cette adhésion, parce que vous êtes... Sinon, le préfet ne pourrait pas nous paxer. Hein. C'est dommage. Il y a plusieurs objectifs. De toute façon, c'est par bassin hydrographique. Hein, donc, sur le bassin du Lay, il y a 110 communes. On est à 82. L'Achetterra vient, on va être à 92 ou 13. Il ne manquera plus que l'Aglo de la Roche. Et puis, un tout petit bout de la commune des Achards et de Boulogne. C'est ça, ouais. Vieille Boulogne. Hein, mais c'est des tout petits bouts. Hein, mais c'est surtout l'Aglo de la Roche qui devrait venir dans un second temps. On va laisser faire les élections à La Roche-sur-Yon pour pouvoir intervenir après. Et donc, l'idée, c'est de faire ce qu'on appellera demain des établissements publics d'aménagement et gestion des eaux sur un grand bassin, hein, avec une certaine mutualisation des coûts, sauf pour la submersion marine, puisque les autres collectivités de l'amont n'ont pas souhaité participer donc, à la submersion marine. Mais pour ce qu'on appelle le PI, la prévention des inondations fluviales, c'est un élément déterminant, puisque quand même sur nos territoires, il y a beaucoup de protection à faire au niveau fluvial. Et là, l'ensemble des communes de l'amont pourra participer. Et donc, il y a une mutualisation des coûts, mutualisation du personnel. Et puis, il y a de plus en plus de travail qui va venir sur ces syndicats mixtes, qui vont prendre demain la compétence pollution diffuse et qui vont prendre demain l'aspect quantitatif dans les inondations qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que je vous annonce qu'il y a une inondation qui arrive. Vous voyez, c'est plutôt ça l'objectif. Hein. Et après, ça nous est imposé, entre guillemets, par les instances supérieures qui souhaitent qu'il y ait un peu moins de syndicats hein, les uns sur les autres, avec des contrats uniques hein, par bassin versant, sachant que 2200 km², c'est un bassin qui est le tiers de la Vendée, mais c'est pas non plus, c'est une moyenne à peu près des bassins hydrographiques de Loire-Bretagne. Voilà. Donc les objectifs sont là. On a adhéré à ces objectifs et ça se passe bien. Hein, je veux dire un mot, hein, pas de problème. Si vous avez d'autres questions, je réponds. Est-ce que vous avez des questions ? Merci, Jam. Est-ce que vous avez des questions ? Il faut dire quand même qu'on doit vous donner les éléments. On a commencé l'année dernière de où va l'argent. Oui. C'est important, hein, puisqu'on va avoir une taxe GEMAPI d'1,3 million, hein, oui. J'arrondis. Mais ça se voit, n'est-ce pas, monsieur Join ? Hein, et puis, pour le moins, et puis ça se voit. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, oui. Surtout en ce moment. Et puis donc, on attaque l'Aiguillon sur mer bientôt, la prochaine. Hein, c'est ça, Joël ? C'est ça, oui. Tu demandes de préciser où donc on attaque du côté de l'Aiguillon sur mer, enfin Maurice qui est là, elle sait bien, du port de l'Aiguillon jusqu'au restaurant de la Pergola. Donc là, il y a une partie digantaire, bien sûr, puis une partie maçonnée quand on revient vers le port, quoi, quand on arrive sur le port. Donc là aussi, gros travaux qui vont démarrer, les entreprises sont retenues, voilà, les choses vont démarrer bientôt. Okay, si vous n'avez plus de questions... je vais donc vous proposer d'approuver l'adhésion du syndicat mixte Sinerval au syndicat mixte du bassin du Lay et de m'autoriser donc à signer les documents relatifs à cette affaire. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non ? Je vous remercie. Merci, Jam. Nous reprenons le fil et nous en étions sur la délibération 19 concernant les interventions en faveur des entreprises. Ça concerne une entreprise qui souhaite ouvrir un café-bar, Alonso Bar, avec un investissement d'un montant de 55 000 euros. Et le montant qui est retenu est de 22 965,59. Et donc l'aide apportée pourrait être de 2 296,56 €. C'est un établissement qui sera à l'Aiguillon-sur-Mer. Voilà.
Donc, il vous est proposé d'accorder à la société Alonso Bar une aide financière d'un montant maximum de 2 296,56 €, conformément au dossier de demande de subvention déposé par l'entreprise. Y a-t-il des questions ? Non, je me vois. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Je vous remercie pour eux. Le point suivant concerne des travaux d'aménagement sur, devant l'usine Outamaki à l'île d'Elle, et ça concerne donc un avenant. Donc les travaux, ça concerne le lot voirie et réseau. Ce marché, il est passé pour un montant global tranche ferme et tranche optionnelle. Il était passé pour un montant de 438 913,50 €. Nous avons une plus-value qui concerne des travaux qui doivent se réaliser de nuit. Donc, qui se sont réalisés de nuit, d'accord, merci. Donc, du coup, une plus-value à la tonne qui est de 23 € hors taxe. Du coup, ça nous amène à vous proposer un avenant d'un montant de 6 900 €. Et avec le total des avenants, on arrivera à un marché tranche ferme, tranche optionnelle, qui sera de l'ordre de 461 563,50 €. Donc pour ce faire, je vous propose d'approuver l'avenant numéro 2 concernant le lot numéro 1, voirie et réseau, concernant la tranche optionnelle et relatif au marché d'aménagement de la rue du Pont-Neuf devant l'usine Outamaki à l'île d'Elle, tel que présenté ci-avant, de m'autoriser à signer l'avenant de modification des prestations et toutes pièces qui y sont inhérentes et d'inscrire les dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Y a-t-il des questions ? Oui, on est. Madame la Présidente, juste une petite précision. Les travaux sont terminés, donc on réceptionne jeudi le 18. Enfin, c'est le 18, c'est un mercredi 18, je crois. Monsieur le mercredi 18. Le mercredi 18, c'est mercredi. Voilà, donc on réceptionne les travaux. Voilà. Oui. Donc, si vous voulez faire un petit tour, vous allez voir ce que réalisé les entreprises et la communauté de communes, voilà, avec les services techniques. Voilà, merci de cette précision. Merci. Si, je l'approuve, pourquoi ? Oui. Mais j'approuve l'avenant, d'autant plus que c'est des travaux qui étaient très difficiles à réaliser. Parce que c'est 40-50 camions par jour qui passent et ils ne pouvaient pas faire leur vêtement aujourd'hui. Voilà. Donc je vais mettre aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant concerne aussi un avenant, mais pour le PLUI intercommunal, enfin le PLU intercommunal sur le territoire de la communauté de communes de Saint-Hermine. Donc là, on a un échéancier qui est un dossier, un PLU qui a été qui a débuté en 2015. Nous avons eu un premier avenant en mars 2016, un second en mai 2018. Et là, il s'agit de vous proposer donc un troisième avenant d'un montant de 16 275 €, puisque suite au premier arrêt du PLUI, il a fallu retravailler et le travail demandé au cabinet d'études suite aux avis fournis par les personnes publiques associées entraîne des incidences sur la mission confiée à ce cabinet initialement. Donc il est normal, ils nous font part d'un montant plus important pour exercer leur mission dans de bonnes conditions. Du coup, il vous est proposé d'approuver l'avenant numéro 4 concernant le marché de prestations intellectuelles pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal du pays de Saint-Hermine. M'autoriser à signer l'avenant de modification des prestations et toutes pièces qui y sont inhérentes et d'inscrire les dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Pardon ? Cette délibération-là, on ne l'a pas. Ah si, alors oui, en fait, cette délibération a été rajoutée. Vous l'aviez sur la deuxième convocation qui a été envoyée. En fait, on vous a envoyé une première convocation et j'ai demandé à rajouter cette délibération qui était importante pour poursuivre le travail suite à la rencontre. Alors en fait, tu as raison. Suite à la rencontre avec les PPA, il a fallu donc apporter des modifications, donc du coup solliciter le cabinet pour faire un travail qui n'était pas dans le marché initial. Donc j'ai demandé à ce que cette délibération soit rajoutée et vous l'avez eu en effet dans le deuxième envoi qui vous a été adressé. Y a-t-il des questions ? Donc je me vois, y a-t-il des voix contre ?
Des abstentions ? Non. Je vous remercie. Et je passe la parole à Jean-Yves. Pardon. Cette délibération concerne les maisons de l'enfance de Luçon et de Saint-Hermine. Approbation du règlement de fonctionnement et autorisation de signature. On avait déjà délibéré sur ces règlements le 14 décembre 2018. Et en fait, suite à une observation donc, du service départemental de PMI, protection maternelle et infantile, il faut que nous procédions à une modification de l'article 1. Donc vous avez le règlement sur table. Dans la mesure où, en ce qui concerne donc, ce règlement de fonctionnement, l'accueil des enfants porteurs de handicap ou de maladies chroniques jusqu'à leurs 6 ans, car il n'y a plus de dérogation possible au-delà de cet âge. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'accueil des enfants porteurs de handicap ou de maladies chroniques n'est possible que jusqu'à l'âge de 6 ans. Voilà, donc l'article 1 a été modifié en conséquence, vous pouvez le constater vous-même. Et bon, je vous demande donc d'abroger la délibération du 14 décembre 2018, d'approuver le nouveau règlement de fonctionnement des maisons de l'enfance de Luçon et de Saint-Hermine, de fixer la date d'entrée en vigueur du règlement au 1er janvier 2020, abrogeant de facto le règlement de fonctionnement précédent à la même date, et enfin d'autoriser la présidente à signer le règlement de fonctionnement annexé à la présente délibération. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Donc on considère que ce règlement est adopté à l'unanimité. Merci bien. Merci, et nous continuons toujours sur les règlements, mais cette fois avec Joël. Oui, alors donc là, trois délibérations successives concernant les règlements intérieurs des salles de sport intercommunales. Alors, je ne sais pas si la présidente fera voter les trois d'un coup. Donc, c'est bien concernant les salles intercommunales de sportives, donc à la première à la Jeudonnière, la seconde, Saint-Jean-de-Beunier-Saint-Hermine, donc à proximité du Vendée-au-Pôle, la troisième au Moutier-sur-le-Lay. Alors, donc, sont précisées dans ce règlement les conditions d'utilisation. Voilà, on a l'habitude, j'allais dire, toujours une réunion a lieu en juin dans chaque commune avec les utilisateurs pour faire un planning qui, lui, entre en fonction en septembre à la rentrée scolaire, puis qui se termine donc en l'année suivante, en juin. Donc il y a une fiche de renseignement est envoyée aux utilisateurs courant mai. Le week-end, les salles de sport sont réservées aux compétitions officielles. Les clubs concernés doivent nous donner donc le calendrier des compétitions dès leur réception. Lorsque nous avons des demandes sur un même créneau, afin d'arranger les demandeurs, on essaie de faire modifier les dates, ce qui n'est pas toujours simple, vous en conviendrez. Pour les vacances scolaires, un planning spécifique est établi. L'utilisation à d'autres fins que sportives peut être faite si les créneaux sont disponibles. Et je dis bien uniquement si les créneaux sont disponibles. Le paragraphe des obligations à la charge des utilisateurs, bien sûr, précise pour chacun les règles d'utilisation, avec en particulier le respect des locaux. Suivront enfin dans ce règlement les interdictions, les éventuelles sanctions en cas de manquement au règlement, le besoin aux utilisateurs de souscrire une assurance aussi. Et chaque litige, bien sûr, devra trouver un accord amiable. Alors donc, voilà, c'est pour les trois salles, comme je disais à l'instant, ce sont les mêmes choses. Et aussi, on a fait là dernièrement donc une fiche de procédure des demandes de créneaux des salles de sport pour que chacun prenne la même façon, enfin la même procédure, j'allais dire, pour demander des créneaux à nos salles de sport intercommunales. Hein, je vous précise qu'il n'y a bien que trois salles de sport intercommunales, donc au Moutier, la Jeudonnière et sur le secteur, donc Saint-Jean-de-Beunier, Saint-Hermine. Voilà, donc présidente, vous pouvez faire voter, accepter ces nouveaux règlements intérieurs. Je vous en ai dit la teneur brièvement. Mais voilà, on a la même chose dans les trois endroits. Donc le règlement intérieur, le premier, c'est la Jeudonnière. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Merci. Le second, c'est le même format, Saint-Jean-de-Beunier. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Merci. Et puis la dernière sur la salle de Moutier,
Même chose, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. C'est vrai que ça permet de clarifier les choses et qu'au moins il y a un vrai règlement, ce sera plus simple pour les services. Le point suivant, je passe la parole à Daniel pour, d'une part, le premier, c'est le PLU de la commune de Marœuil-sur-Lay. Donc, approbation de la modification numéro 2 du PLU de la commune de Marœuil-sur-Lay. Vous l'avez donc en annexe 9. Le projet de modification numéro 2 du PLU a été modifié pour prendre en compte les observations des personnes publiques associées et l'avis du commissaire enquêteur et la réponse apportée conjointement par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la commune de, le 16 juillet 2019. Donc vous l'avez en annexe 9. Je pensais que Jean-Pierre serait là pour qu'il nous en parle, mais apparemment non. Donc voilà. Donc il est proposé aux membres du conseil communautaire de tirer le bilan de la concertation de la modification numéro 2 du PLU de la commune de Marœuil-sur-Lay-Dissais, d'approuver le dossier de modification numéro 2 du PLU de la commune de Marœuil-sur-Lay-Dissais tel qu'il est annexé par la présente, de dire que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R123-24 et R123-25 du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie et de Marœuil-sur-Lay-Dissais et au siège de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pendant un mois et d'une mention dans le journal, de dire que le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Marœuil-sur-Lay-Dissais et à la préfecture aux heures et jours habituels d'ouverture, de dire que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification simplifiée numéro 2 du PLU de Marœuil-sur-Lay-Dissais seront exécutoires dès la transmission au préfet et après l'accomplissement des mesures de publicité, affichage et insertion dans un journal. Dany, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ? Parce qu'en fait, non. Non, c'est bon ? D'accord, parce que c'est vrai qu'on parlait de Jean-Pierre, mais comme tu Ah oui, je n'avais pas vu que... Non. Pas de remarque, d'accord. Ah, ok. Donc ensuite, élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-pays de Saint-Hermine. Troisième débat sur les orientations du PADD. Des modifications. Attends, on n'a pas juste pas fait voter. Ah pardon, excuse-moi. Je suis tellement rendue dans. Je me suis dit. Je suis tellement dans mon truc. Elle est partie. vas-y. Donc du coup, oui, mais enfin, faut quand même. On va faire les choses. J'allais faire comme Joël, tout vite. Y a-t-il donc des donc. On revient donc sur Marœuil-sur-Lay. Y a-t-il des questions d'une part ? Non, dans ces cas-là, je me vois. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie et tu peux continuer. Excusez-moi. Alors, élaboration du PLUI de l'ex-pays de Saint-Hermine, troisième débat sur les orientations du PADD. Donc, vous l'aviez en annexe 10. Des modifications sont apportées au projet de plan arrêté le 21 mars 2019 suite à l'analyse des avis reçus. Considérant que ces modifications nécessitent de corriger le PADD, l'évolution du projet d'aménagement et de développement durable nécessite donc un nouveau débat. Donc, après l'avis défavorable donc des services de l'État, de la CDPENAF et de la Chambre d'agriculture et d'un avis réservé de la CCI, donc il a fallu donc revoir notre copie et refaire un troisième PADD. On en a discuté longuement hier soir, on avait un séminaire, voilà. Donc vous l'avez en annexe 10, est-ce que vous l'avez tous lu, tous vu ? Interrogation écrite, oui, ou orale, comme on veut, hein, voilà. Donc il faut qu'on en débatte aujourd'hui. Donc est-ce que vous avez des choses à dire ? Les principaux concernés, on s'est tous exprimés hier, je pense. Dire qu'on a, si jamais il y avait des questions un peu plus pointues. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Les services sont là pour répondre. C'est vrai que ça nécessitait quelques ajustements qu'il a fallu aussi présenter dans les communes dans un délai extrêmement contraint. Et merci à elle d'avoir répondu dans le délai qu'on vous demandait, c'est-à-dire il faut absolument qu'on ait toutes les délibérations avant le 19 décembre. On sait très bien, à chaque fois qu'on passe devant les PPA, on est amené à de nouveau apporter des ajustements en espérant cette fois pouvoir aller jusqu'à l'aboutissement des projets, mais on a encore un long travail devant nous.
Y a-t-il des observations, des questions sur ce nouveau PADD? Apparemment non. Donc, on propose aux membres du Conseil communautaire de prendre acte de la tenue au sein du Conseil communautaire, donc du débat sur les modifications apportées aux orientations générales du PADD, organisées dans le cadre de l'opération de l'élaboration du PLU intercommunal du pays de Saint-Hermine. Donc, la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le PADD du PLUI du pays de Saint-Hermine. La délibération sera transmise à M. le préfet et fera l'objet d'un affichage au siège de l'intercommunalité et dans chaque mairie durant 2 mois. Voilà, donc les modifications, vous les avez vues, hein, ça concerne conforter l'attractivité résidentielle, le cadre de vie rurale et puis constituer un pôle d'emploi phare en Vendée. Enfin, c'est surtout vers les communes qu'on s'est dirigé. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a tenu un débat ? Pas d'opposition, mais non, mais c'est vrai qu'on a largement débattu mais hier soir, mais pas en conférence, pas en conseil communautaire. Et il est important que le conseil communautaire puisse être informé et sache exactement ce qui se passe sur un autre PLUI. Demain, ce sera l'ensemble des communes qui seront concernées. Forcément. Donc, pas d'opposition. On considère que le débat a eu lieu. Je vous remercie. Et je repasse la parole à Jean-Yves. Merci. Alors, ce point concerne donc une convention de partenariat favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires avec le SDIS de la Vendée à compter du 1er janvier 2020. C'est une demande qui nous avait été faite, je pense, dans le courant de l'année, en tout début d'année. Hein. Et donc, on arrive à sa conclusion. En fait, c'est pour favoriser donc la disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires qui donc sont amenés à intervenir en journée. Et lorsqu'ils assument la garde de leur ou de leurs enfants, de pouvoir accéder plus facilement aux services d'accueil de la communauté de communes, qu'il s'agisse donc des accueils de loisirs sans hébergement ou des structures d'accueil périscolaire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Est-ce que donc vous êtes d'accord pour passer une convention de partenariat à compter du 1er janvier 2020 favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires avec le SDIS de la Vendée, ayant pour but d'augmenter les plages horaires de disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires et de fixer les modalités de fonctionnement. Des abstentions ? Des contre ? Donc voilà, tout le monde est pour, à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Doucement. Doucement. Vous l'avez compris, c'est au tour de René de parler. Et je demanderai à l'Assemblée de se reporter à l'annexe 11. Vous avez l'annexe 11 dans vos dossiers, vous avez la convention qui va être proposée, et vous avez le plan pour lequel je vais vous expliquer deux, trois petites choses, et puis après vous voterez si vous en avez envie. Mais vous le voterez, je pense. La commune de Champagné dispose de la clause générale de compétence. Dans ce cadre, la commune souhaite réaliser des travaux de sécurisation sur sa voirie communale en réalisant un giratoire au niveau de la route départementale des 25. Je rappelle également que la communauté de communes, de par sa compétence en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie, a la compétence juridique et donc la maîtrise d'ouvrage pour les voiries d'accès aux zones d'activité économique et pour les voiries d'accès aux déchetteries communautaires. Les travaux de sécurisation de la voie communale située à proximité de la zone d'activité et de la déchetterie impacteront la voirie permettant l'accès de ces deux équipements communautaires. En conséquence, cette opération globale concerne deux maîtres d'ouvrage distincts. Il propose donc qu'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage soit conclue pour désigner l'unique maître d'ouvrage et régler ses conditions d'organisation pour la mise en œuvre concomitante et cohérente des travaux. Je vous propose tout d'abord que la commune de Champagné-les-Marais soit désignée maître d'ouvrage unique et qu'elle assume toutes les responsabilités qui lui incombent. La commune fera sienne des procédures et des consultations des opérateurs, c'est-à-dire les marchés publics, bien sûr,
Hop, la page a tourné. Aïe, aïe, aïe. Nécessaire à la réalisation des dits travaux, il pourra rester en justice au nom et pour le compte de la communauté de communes jusqu'au terme de la convention. Toutefois, il associera la communauté de communes dans le déroulement de l'opération et particulièrement lors de différentes phases de réalisation de l'ouvrage. Ensuite, je vous propose le coût financier, bien sûr, de l'opération qui est estimé à la somme de 60 000 euros TTC. Je précise bien TTC, hein. Cette somme sera remboursée par un paiement unique à la commune par la communauté de communes de Sud-Vendée Littorale après l'achèvement des travaux réception prononcée sur la base d'un état récapitulatif établi avec la notification des décomptes généraux définitifs aux entreprises et selon les mêmes modalités que les acomptes prévus par le cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux. Je vous propose d'approuver la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la commune de Champagné-les-Marais dans des conditions présentées ci-devant et dont le projet est annexé à la présente délibération. C'est donc la fameuse annexe 11. D'autoriser Madame la Présidente à conclure et signer la dite convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la commune de Champagné-les-Marais. D'inscrire les crédits nécessaires à l'exécution de la dite convention au budget de l'exercice concerné. Si vous avez des questions, je peux vous répondre et le maire de Champagné pourra vous répondre aussi. Madame la Présidente, on passe au vote. Question. Bah, je ne sais pas. Bon, bah, c'est parfait. Oui, je ne pense pas qu'il faille. Je pense pas, Bernard, qu'il ne faudrait peut-être pas que tu prennes part au vote. Ah oui, on va le faire sortir. Ben oui, je pense que ce serait. On va le faire sortir. Non, mais il sort, là. Mais tu peux rester là quand même, tu t'en vas pas. Ah si, ben non, tu ne vas pas écouter ce que je vais dire, là, je vais te casser en mille morceaux. Là. Ah, pas là. Tu n'en parles pas au vote ? Non, du coup, non, il vote, il votera pas. Non, mais il ne vote pas, il ne prend pas part au vote. On l'exclut. Exclu. Y a-t-il des... Donc, du coup, on met aux voix, s'il n'y a pas de questions. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Et la commune de Champagné nous remercie. J'anticipe. Daniel, on repart sur le volet de l'habitat. Alors, renouvellement du mandat de gérance du parc de logements locatifs de la communauté de communes. La communauté de communes Sud-Vendée Littorale est propriétaire d'un parc de 86 logements locatifs situés sur les communes des anciennes communautés de communes des îles du Marais-Poitevin et du Pays de Saint-Hermine. Donc, vous l'avez dans le détail de l'annexe 13. Afin d'assurer la gestion locative de ces logements, les deux anciennes communautés de communes avaient conventionné avec l'Office public de l'habitat de Vendée Habitat et ces conventions ont été prises par la communauté de communes Sud-Vendée Littorale. Afin de tenir compte des différentes évolutions réglementaires, Vendée Habitat propose à la communauté de communes de contractualiser sur ces deux nouvelles conventions de mandat de gérance à compter du 1er janvier 2020 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Les conditions financières du mandat restent inchangées, soit une rémunération annuelle égale à 8% des sommes mises en recouvrement au cours de l'année et correspondant au titre des loyers quittancés hors charge. Il est donc proposé aux membres du Conseil communautaire d'accepter la passation de deux nouvelles conventions de mandat de gérance avec l'Office public de l'habitat Vendée Habitat à compter du 1er janvier 2020, tel qu'il figure en annexe par la présente délibération, d'autoriser Madame la Présidente à signer les conventions de mandat de gérance précitées. Y a-t-il des questions sur ce sujet-là ? Non ? Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non ? Je vous remercie. On continue avec les programmes Habiter Mieux. Alors, programme Habiter Mieux Sérénité au titre de l'année 2020. Considérant la décision de la communauté de communes de participer au programme Habiter Mieux Sérénité portant par l'Agence nationale de l'habitat. Le programme national d'aide à la rénovation thermique a pour objectif de lutter contre la précarité énergétique des propriétaires occupant les plus modestes. Chaque foyer éligible et réalisant un gain de performance énergétique de 25% peut bénéficier, en plus des aides de l'ANA, d'une prime Habiter Mieux.
l'État a confié à l'Agence nationale de l'habitat la mise en œuvre de ce programme qui est prolongé jusqu'en 2022. En mars 2019, la communauté de communes a décidé de participer au programme Habiter Mieux Sérénité sous la forme du versement d'une somme forfaitaire de 250 euros par dossier éligible dans la limite de 58 dossiers. Compte tenu de l'aspect qualitatif du programme Habiter Mieux Sérénité en termes de gains énergétiques, il est proposé à l'Assemblée de renouveler l'engagement de la communauté de communes au titre de l'année 2020. Une somme forfaitaire de 240 euros pourrait être versée par dossier éligible dans le cadre d'une enveloppe dédiée au programme et limitée à 14 500 euros, soit 58 dossiers. Il est donc proposé aux membres du Conseil communautaire de valider la participation de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au programme Habiter Mieux Sérénité au titre de l'année 2020, d'accorder dans ce cadre l'aide forfaitaire de 250 euros en faveur de la rénovation énergétique aux propriétaires occupants, en complément de l'aide Habiter Mieux Sérénité versée par l'ANA dans la limite d'une enveloppe de 14 500 euros et d'inscrire les crédits nécessaires à l'exécution de la présente délibération au budget primitif 2020. Des questions ? Oui, David. Je pense que je ne vais pas pouvoir te répondre. Non, tu ne peux pas. C'était juste pour avoir une idée de la consommation sur l'année 2019. Alors, comme ça, je ne peux pas répondre. Par contre, on peut t'apporter la réponse très rapidement. Sandrine, qui est derrière, va le noter. Et puis, tu l'auras très rapidement. Pas de problème. Mais... Y a-t-il d'autres questions ? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Pierre Careil pour dossier environnement. Voilà, oui. Donc, je vous rappelle que depuis de 2016 à 2019, nous avons bénéficié d'un animateur de prévention des déchets en commun avec la communauté de communes Vendée Grand Littoral et qui a travaillé sur le gaspillage alimentaire ainsi que sur la réduction des déchets végétaux. Donc ce contrat arrivait à terme au mois de mai dernier et nous avons souhaité prolonger ce contrat avec la nouvelle forme que propose l'ADEME actuellement, puisque l'ADEME maintenant ne parle plus de recyclage ou tout ça des déchets, elle parle d'économie circulaire. Voilà, donc c'est le nouveau concept plus qu'à la mode, c'est vraiment le nouveau concept dans lequel il faut qu'on rentre. Et dans ce cadre-là, il nous propose donc un nouveau contrat d'une année pour envisager de nouveaux projets, toujours en commun entre Vendée Grand Littoral et nous. Alors, donc, cette opportunité de nouveau contrat pourrait permettre de réaliser d'abord un diagnostic de l'économie circulaire sur nos territoires, ensuite mettre en cohérence les différentes actions ou politiques sectorielles des collectivités, avec entre autres le PCAET dont vous avez entendu parler déjà, hein, et le projet de territoire aussi, qui intègre un certain nombre d'actions dans ce domaine. Et donc l'enjeu, c'est de formaliser un programme local de prévention qui fixerait des objectifs, hein, de réduction des quantités de déchets sur le territoire, et donc en cohérence, bien sûr, avec la démarche promue par Trivalis. Voilà, donc après, c'est tout le travail qui est déjà en cours, d'optimisation du service de collecte, diversification du parc de véhicules, voilà. Hein, donc il y a un certain nombre de choses là qui sont en cours, hein, je ne vous lis pas tous les détails. Et puis, bien sûr, développer donc, les différents aspects de l'économie circulaire, les points à enjeu sur le territoire. Donc alors, on a identifié quelques points, parce qu'on ne pourra pas travailler sur tout. Donc c'est notamment la collecte séparative des coquillages, qui est déjà en cours chez nous, mais qu'on ne valorise pas complètement actuellement. Donc, on pourrait peut-être créer un label pour les professionnels partenaires. Donc, c'est tout l'enjeu, en effet, d'impliquer les professionnels, pas seulement les particuliers qui ne savent pas quoi faire de leur coquillage. Voilà. Par ailleurs, autre enjeu très fort, c'est la limitation du recours au plastique et la lutte contre les microplastiques en milieu marin. Bon, on a quand même, avec Vendée Grand Littoral, une part importante de côtes, hein, qui nous sensibilise sur ce point-là. Et puis, troisième point, au niveau de Sud-Vendée Littoral, il y a tout un travail d'entreprise en termes d'écologie industrielle avec les acteurs économiques. Hein, donc, il y a eu déjà des concertations, des travaux d'entreprise.
Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir développer des filières de valorisation des déchets issus de la rénovation des bâtiments. Enfin, il y a plusieurs choses envisagées. Voilà. Bref, c'est permettre aux deux collectivités de préparer leur feuille de route économie circulaire. Donc, une année de transition pourrait être obtenue. Voilà, donc le contrat pourrait être prolongé. Et l'idée, après, c'est d'avoir vraiment un plan d'action sur plusieurs années. Avec l'ADEME, si possible, puisque l'ADEME nous finance quand même cette affaire à hauteur de 24 000 euros, ce qui fait quand même, de notre part, un faible engagement dans cette affaire. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet ? Il n'y a aucune certitude quand on dit, parce que la façon dont c'est formulé la délibération, on laisse entendre que l'ADEME n'a pas encore. Si, c'est bon, c'est bon. Et seconde question, on nous annonce donc le soutien financier de 24 000 euros de la part de l'ADEME. Oui. Ça charge pour les deux collectivités. Alors, oui, c'est vrai que il n'est pas mis là, il est mis dans l'annexe, excusez-moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Hein, donc, c'est, nous, au niveau de la collectivité, c'est 7 000 euros dans ces eaux-là. Hein. Il y a une aide aussi aux frais de communication et tout ça, hein, comme d'ailleurs le contrat précédent. Hein, voilà. Bon, voilà. Il y a quand même une petite part de notre, hein, pour nous. Voilà. Hein, mais, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? L'intérêt de ce nouveau contrat, c'est la transversalité, je pense, hein, qui est nouvelle. Voilà, l'économie circulaire. Donc, on n'a pas fini d'en parler, hein, je vous préviens. Hein. Voilà. Donc, je vous propose de valider cette prolongation de partenariat avec l'ADEME, hein, donc, entre Vendée Grand Littoral et nous, et de valider les termes de la convention de partenariat, donc, telle qu'elle est annexée. Et bien sûr, permettre à Madame la Présidente de signer tous les documents nécessaires. Qui est contre ce projet ? Qui s'abstient ? Bon, écoutez, je crois que c'est un vote à l'unanimité. Merci à vous. Merci beaucoup. On passe au point suivant. Guy, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Alors, c'est l'adhésion au contrat groupe assurance proposé par la Confédération musicale de France. On l'avait prise en 2019 et c'est pour le renouvellement. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral avait, pour l'année 2019, déjà souscrit à un tel contrat avec la Confédération musicale de France dans une démarche complémentaire à celle engagée pour ses assurances en responsabilité civile ou dommages aux biens. Cette dernière garantie permet une prise en charge, entre autres, des sinistres sur les locaux affectés aux activités musicales et sur les instruments de musique propriété de la communauté de communes. Or, les garanties offertes par le groupe contrat de la Confédération musicale de France viennent en complément des garanties classiques en proposant de souscrire à des garanties couvrant au choix des dommages corporels aux personnes et des dommages aux instruments de musique, quels qu'ils soient, dans toutes les actions de l'établissement public, ou des cours aux concerts, en passant par les répétitions, les concours, stages, festivals ou voyages musicaux. Je vais passer à la page suivante. Cette année 2019, il a été retenu de souscrire aux garanties suivantes. On reprendrait la main si vous en êtes d'accord. C'est la responsabilité civile, l'option A, pour la garantie individuelle accident des membres de l'école de musique intercommunale au titre des garanties obligatoires, et uniquement l'option C, de la garantie pour les dommages aux instruments de musique au titre des garanties facultatives. À cela venait s'ajouter la contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. Considérant que les mêmes garanties sont aujourd'hui proposées par la Confédération musicale de France au regard des garanties déjà souscrites dans les contrats d'assurance, dommages aux biens et responsabilités civiles après l'expérience de l'année passée, les garanties souscrites en 2019 avaient permis une pleine couverture des besoins de la communauté de communes en la matière. Je vous propose donc de maintenir le même niveau d'assurance en sachant que les variations de prix sont minimes par rapport à l'année 2019, la souscription des mêmes garanties en 2020 qu'en 2019 conduirait à un montant de 766,60, toutes taxes comprises, au lieu de 761,60, toutes taxes comprises. Ça veut dire une différence de 5 euros. Quand vous regardez le tableau après, on a quand même une augmentation d'effectifs enfants et professeurs. Hein. L'année dernière, on était à 519
Donc, quand vous regardez l'option 1, cette année, on est à 555 éléments, membres, ce qui fait que l'an dernier, on était à 519, cette année à 555, pour 2020, pardon. Et la contribution au fond, là, c'est 590, c'est la même que l'an dernier. L'option C, l'an dernier, on était à, pour 35 éléments à 229,40. Et cette année, on est à 266,40. Par contre, ce que vous avez en bas, on a un bonus, enfin un bon d'achat de 73 euros en différence. C'est pour ça qu'on a seulement un plus de 5 euros. Mais si on avait tenu compte de l'effectif, on serait 73 euros encore en plus. Voilà. Ce que je vous propose, y a-t-il des questions ? Ce que je vous propose, c'est d'approuver la souscription au contrat groupe pour l'année 2020 proposé par la Confédération musicale de France dans les conditions ci-avant proposées, d'autoriser Madame la Présidente de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale à signer le dit contrat ainsi que tous les documents qui lui sont inhérents et d'inscrire les dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je vous remercie. Merci. Le point suivant, au niveau des ressources humaines, concerne l'adhésion à la convention de participation au chômage du centre de gestion, puisqu'en effet, ce dernier propose à l'ensemble des collectivités territoriales de la Vendée un service gestion du risque chômage pour le secteur public afin de faciliter le suivi des dossiers de chômage. Ce service est proposé aux collectivités et ça concerne le retour à l'emploi des agents du secteur public qui ont été involontairement privés d'emploi. À noter que ce service, l'adhésion est donc facultative et que chaque mission fera l'objet d'une convention ponctuelle qui en précisera l'objet, la période et le coût. Ce dernier comprend notamment la simulation et le suivi mensuel. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Donc il vous est proposé d'adhérer au service gestion du risque chômage pour le secteur public du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée à compter du 1er janvier 2020, de me donner mission pour solliciter ce service en fonction des besoins de la collectivité, de m'autoriser à signer les conventions et d'inscrire les crédits nécessaires au règlement des sommes dues au centre de gestion au titre de la présente convention et, en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer ce règlement en application des dites conventions. Y a-t-il des questions ? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Non. Je vous remercie. Nous continuons sur les ressources humaines avec la création d'un emploi de chargé de mission Habitat. Enfin, création, c'est quelque chose qui était inscrit, bien entendu, quand on a travaillé sur le volet ressources humaines en début d'année. On sait que l'habitat, pour nous, c'est un enjeu très très fort sur tout le territoire, d'autant plus quand on travaille sur le SCOT, sur les PLU. C'est intéressant que ce soit concomitant pour avancer sur ce travail-là. Donc, il vous est proposé d'accepter la création à compter du 1er janvier 2020 d'un poste de chargé de mission Habitat à temps complet, ouvert sur le grade suivant, rédacteur principal de deuxième classe, de modifier le tableau des effectifs et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Je me vois, est-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie et je passe la parole à Patrick. Ah oui, je passe mon micro surtout. Merci. La délibération suivante vise à proposer une mise à disposition d'un agent administratif principal. Vous savez que la Comcom a délégué sa compétence tourisme à une société publique locale qui a intégré des agents de trois statuts différents, des agents de collectivité locale, des agents au statut associatif, puisque les offices avaient des statuts associatifs à une époque, et des agents qu'elle a recrutés. Il s'agit là d'un agent qui était, qui est toujours agent de collectivité locale, donc membre de salarié de la Comcom. Et il s'agit donc au bout de 3 ans, la question se pose du réemploi de l'agent. L'agent nous a écrit en novembre nous demandant pour une nouvelle période de 3 ans une mise à disposition auprès de la SPL. Donc c'est la convention dont il s'agit. Je vous propose de l'approuver, cette mise à disposition, et d'autoriser la signature de la convention. Je précise que d'un point de vue tout à fait factuel,
c'est la Comcom qui paye l'agent et c'est la SPL qui rembourse la Comcom à l'euro près. Donc cette opération montre en même temps la stabilité de notre ressource humaine, puisque les agents de statuts différents travaillent ensemble et c'est bon signe. Y a-t-il des questions sur ce statut particulier? Il n'y en a pas. Pas de vote contraire, pas d'abstention. Le rapport est approuvé. Merci. Dernier rapport pour ce soir. Convention de prestation de services avec la commune de Chaillé-les-Marais pour l'entretien des espaces verts. Et donc, ça concerne la mise à disposition de 3 agents de services techniques de la commune de Chaillé-les-Marais qui avaient été établis l'an passé pour assurer l'entretien des espaces verts de la maison du maître de digue, du théâtre et de la maison médicale et de la maison des services au public. Donc, à compter de 2019, il a été proposé à la communauté de communes de procéder à une facturation forfaitaire horaire des interventions des agents sur la base du tarif fixé par délibération de la commune du 21 janvier 2019, soit 20 euros par heure par agent. La convention de prestation sera renouvelée par tacite reconduction. Il vous est donc proposé d'approuver la convention de prestation de services jointe en annexe, de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier et puis, bien sûr, d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Y a-t-il des observations? Non, ça ne bouge pas. Donc, je me vois, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Dans ces cas-là, oui, Jam, alors vas-y. Je profite de votre présence pour vous dire que vous avez reçu ou vous allez recevoir une invitation pour la commission environnement qui est élargie au maire hein, et au secrétaire ou au référent assainissement collectif. Hein, c'est puisqu'on présentera donc présentation de la phase de l'étude qui est faite. C'est le jeudi 19 avec des obligations réglementaires présentées par le département. C'est le jeudi 19 décembre à 10h, donc j'en profite. Et c'est à Sainte-Bexine, donc je vous invite, puisque vous aurez l'occasion de découvrir la grande commune de Sainte-Bexine. Donc merci beaucoup. Mais oui, ça, c'est sur GPS. Hein. Voilà, ok. Très bien. Vous aurez peut-être droit aux rillettes. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ce conseil communautaire. Merci beaucoup pour les décisions prises aujourd'hui, importantes. Et puis, pour ceux que je ne reverrai pas, je vous souhaite belle fête de fin d'année. Merci.